Madame, Monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial Sila sous Média Haïtien. Journal nous présenté en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité concernant pays d'Haïti, dominé par 46e rencontre, chef d'État CARICOM dans le pays Guyane, précisément dans la capitale, qui c'est Georgetown. Côté 46e sommet, ça a déroulé, mais réaction paraît inaperçue, surtout sous dossier crise qu'a traversé pays d'Haïti. Là, divers chefs d'État qui participaient dans sommet CARICOM n'ont pas mis de l'eau dans bouche pour critiquer Premier ministre Ariel Henry sous gestion la fête des pays. C'est qu'à Premier ministre Antigua et Barbuda, Gaston Brown, lui-même qui fait connaître Jodia Ariel Henry, c'est plus gros problème qui gagnait dans et tête pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, tout ça qui a traversé pays d'Haïti à l'âme, il résumé à qui un seul monde, c'est Ariel Henry. Côté monsieur Gaston, fait qu'on est premier ministre n'a pas gagné ni titre ni qualité pour le rester dans tête yon l'État. Mesdames et messieurs, et l'avancée pour le dire, Ariel Henry doit démissionner, quitter pour yon monde qui gagne compétence à qualité, vienne redresser le pays d'Haïti. Eh bien, dans même sommet ça, question force multinationale là, l'été abordé. Côté gagne pays Bénin, nous connecte déjà promettre et 2 000 soldats pour venir supporter ou encore pour participer dans force multinationale ça. Mesdames et messieurs, faut que nous disions gagne représente dans le pays États-Unis dans les Nations Unies, Madame Linda Greenfield, qui lui-même a participé dans le sommet à tout, a tout profité pour chita avec Premier ministre Ariel Henry et diverses autres autorités dans la région. Côté yo t'a abordé question crise sanitaire avec insécurité, capta et mandat dans la société haïtienne et yo t'a chita sous question force multinationale là pour qu'on ait qui date l'état doit arriver et qui soutient qui t'a supposé gagner pour que Fossa li capable rive. Et bien, Madame Linda Greenfield li avance pour le dire, c'est pays Jamaïque qui a gagné pour le responsable, mesdames et messieurs, et font qui a gagné pour lui avec mission multinationale là, qui a sorti dans chef d'État CARICOM. Et bien, c'est pays Jamaïque, selon Linda, qui a responsable l'agence à yo, mesdames et messieurs, ou encore aide yo, parce que aide yo capable de venir sous toute forme, yo capable matériel ou bien financier. Dans ce sens, Linda bay la Jamaïque responsabilité pour le prendre, et bien aide cap sorti dans mes pays CARICOM yo, cap vini pour mission multinationale, cap vini supporter sécurité dans pays d'Haïti. Gagné monsieur ça, lui même qui c'est Ronald Sanders, qui c'est représentant Antigua et Barbuda nan OEA aux États-Unis. Côté lui-même, il pas mettre de l'eau dans bouche pour critiquer comportement les États-Unis avec la France dans situation et cap traversé pays d'Haïti. Ronald Sanders avance pour le dire, je dis à ça qu'a passé pays d'Haïti là, gain deux principales responsables, c'est les États-Unis avec la France, li exhorter pays ça yo pour yo prendre responsabilité yo pour yo réparer pays d'Haïti parce que c'est yo même qui lagué pays a dans ça li trouvé le journée jodi a, mesdames et messieurs, et dans ça qui gen pour toujours avec pays d'Haïti gagner ancien directeur police nationale là Léon Charles qui fait qu'on est bité prend dans un sandwich dans cadre assassinat et président parce que tu gagné deux premiers ministres à l'époque li pote ko konnen qui est-ce pour le servir, est-ce que c'est Claude Joseph ou bien c'est Ariel Henry? Non, ça qui gen pour assassinat et président Léon Charles lui-même qui était démissionné dans poste comme représentant permanent Haïti dans organisation État américain yo, qui fait qu'on est démission ça c'est pour le capable laver image dit que non le cité dans ordonnance yo voyez la juger devant tribunal criminel ordonnance Walter Wessel Voltaire lui-même li mettait dehors. Mesdames et messieurs, eh bien Léon Charles Litebaye. Plus de détails, n'a pas gagné pour nous présenter dans VOA Creole. Toujours, mesdames et messieurs, dans le pays d'Haïti, j'en te dis là, Bénin qui promet pour bailler 2 000 soldats et réaction yo.
pas suspendre tomber sous ça qui gen poué ak arrivé force multinationale la gen moun ki di ou yo poko jam kwè force ça la privé nan pays d'Haïti vraiment nan ça qui gen poué ak international. Mesdames et messieurs, genyen rencontre entre président Joe Biden avec leader dans Congrès américain pendant $95 milliards, Sénat a approuvé pour aide financière internationale. Eh bien, pral bloqué dans chambre député a n'a rappelé au $95 milliards ça t'est débloqué pour te supporter l'armée Taïwan, Ukraine et Israël qui dans bataille avec militants Hamasio dans état palestinien. Toutefois, Washington lui-même li campé en quoi contre bataille ça et le fait qu'on est mesdames et messieurs nan jour supposé gagner yon et c'est le fait nan bataille qui gagne entre Israël avec Hamas. Mesdames et messieurs, toujours nan pays Tonton Sam, visite Joe Biden ak ancien président américain Donald Trump sous frontière États-Unis partagé avec pays Mexique là. Eh bien, et ça c'est pour bien-être les États-Unis. Deux présidents yo a visité frontière États-Unis partagé avec Mexique. Nous connaît qui fait état de polémique dernier temps ça yo sous question immigrants cap. Eh bien, mesdames et messieurs, et foulé sol américain cap passé sous frontière américain avec Mexique gagné en commun. Mesdames et messieurs, point ça yo n'a invité au suivre yo dans la voix de l'Amérique pour plus de détails et informations. Suivez avec nous. 4, la voix de l'Amérique. Dans Washington, aujourd'hui, c'est mercredi 28 février 2024. Yo plaisir, on l'a fait encore pour ensemble pour nous présenter yo programme dans langue créole haïtienne, quelques grands points. Cap dominé actualité. Actualité haïtienne aux États-Unis, rencontre entre président Joe Biden et leader Congrès, dans moment assistance étrangère, $95 milliards que le Sénat a approuvé, toujours bloqué dans la Chambre des députés avec possibilité pour gouvernement fermé dans le mois de mars. États-Unis toujours, président Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump a visité frontière États-Unis partagée avec pays Mexique. Et puis concernant Haïti, dans l'occasion 46e sommet CARICOM dans Georgetown, Guyana, ambassadeur États-Unis dans Nations Unies Linda Thomas Greenfield fait plusieurs annonces en faveur force multinationale qui vient pour déployer dans pays d'Haïti. C'est pour ça, yo. Avec l'autre encore, nous allons développer pour vous. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. D'abord, gagner une force multinationale qui a gagné Kenya dans la tête, qui toujours a dominé l'actualité. Donc, force ça qui est pour déployer dans le pays d'Haïti. Gagné en l'autre fois encore, il était présent dans le 46e sommet CARICOM qui a déroulé dans Georgetown, dans Guyana. Gagné quelques citoyens dans le pays d'Haïti, puis précisément dans Port-au-Prince, qui doutaient sur l'arrivée de forces multinationales appui à la sécurité dans le pays d'Haïti, alors que le dossier ça a été nommé tant qu'on nous a dit là dans le sommet CARICOM. Yves Manuel, c'est correspondant à nous dans Port-au-Prince. Dans le cadre du déroulement 46e sommet, chef l'État et gouvernement pays membre CARICOM, Guyana prend engagement pour fournir un soutien financier à la mission multinationale qui a bien pour déployer dans le pays d'Haïti, selon l'ambassadrice américaine dans les Nations Unies, Linda Thomas Greenfield. L'ambassadrice l'a révélé que c'est Jamaïque qui a coordonné appui CARICOM à la mission multinationale dans le pays d'Haïti. Quelques Haïtiens qui ont réagi sur la question ont montré au pessimisme sous arrivée tout bon vrai. Mission dans le pays. Chaque jour, il y a un retard dans la question de la force. Imaginez que plusieurs fois les États-Unis, puis le seul pays d'Haïti, n'ont pas besoin de toute autorisation. Ça veut dire que toute autorisation que vous avez cherchée là, c'est la forme de la faire pour les Haïtiens continuer à mourir sur le territoire. Bon côté PAL, responsable chemin de délivrance haïtien, appuyé des marches bourrades avec la police nationale là. Cependant, il pose des questions sur tant communauté internationale l'apprend pour rendre effectif arrivée mission ça. Où est bon ensemble pays qui yo même favorable pour que yo bail support à force là, mais yo questionner légitimité de docteur Ariel Henry. Parce que pas oublier non, yo pas pral voyer soldats yo vinn là en Haïti. T'as autant de gain massacre qui fait, t'as autant de gain monde qui mouri. Après ça, pour yo commencer traîner yo par devant des tribunaux internationaux pour dire que oui, monde qui te prend engagement pas de qualité. Donc ensemble situation ça fait nous même au niveau de chemin de l'Université d'Haïti commencer poser question pour nous dire est-ce que finalement vrai a bon force d'appui à force de sécurité nationale pour démanteler gang. Qui ça qui t'a doit fait si force là pas venir? Citoyen ça pensez comme ça. C'est classe politique là
qui pour mettre tête ensemble pour yo proposer un gouvernement, un collège présidentiel qui gagne 5 membres, nous capable dire 2 membres dans classe politique là parce que nous dit clair la crise est politique. Deuxièmement, n'a gagne un membre dans secteur religieux, n'a gagne un membre dans secteur privé, n'a gagne un membre dans diaspora haïtienne pour nous chita ensemble pour nous choisir un premier ministre de consensus pour nous mettre un gouvernement qui est capable de répondre avec besoin population. Jusqu'à présent, il y a 3 pays qui prennent engagement pour voyer agent yo pour mission ça en Haïti, Jamaïque, Bahamas et Antigua et Barbuda. Il y a 2 autres pays dans le continent africain qui engagé dans le même sens là. Nous voulons parler de Bénin et Kenya. Moi c'est Yves Manuel, Déby Port-au-Prince pour VOA Creole. Donc tant que nous capables gagner plusieurs pays cap poté coller qui voulait poté coller dans cadre mission ça qui gagne pour débarquer dans pays d'Haïti, donc tout le monde attend pour eux. Et puis dans un rappel historique dans interview avec ancien DG PNH là et Léon Charles, eh ben il expliquait que il était prêt en sandwich entre 2 premiers ministres en parlant de Claude Joseph et Ariel Henry pendant que yo te gagné yon président qui assassiné en aloué rappel historique ça dans cadre interview que nous te gagné avec monsieur Léon Charles. Là moi même moi zo son ordonnance qui ont hautement caractère politique. On va monter dans tout côté puis de pam nan m'appé oui mon collègue ou dans circonstance là ou collaborer de très près avec Claude Joseph, ça veut dire nous dit des choses nous dit nous gain contrôle pays. C'est premier ministre de fait qui était là. Nos situations difficiles côté le président mourir. Hein? Président assassiné. Nous gain PM Claude Joseph sortant qui pour qu'on mette charge. Bien que le mettre contagé. Nous gain premier ministre Ariel entrant qui pour qu'on prenne charge. Moi-même, directeur général, je prends un sandwich en 2 saillots. Et le premier appel que je reçu sous KKA pour réunion CSPL, premier ministre, secrétaire général du Conseil des ministres. Entre-temps, c'est pas que négliger PM Ariel, non. Avant PM Ariel de venir installer une semaine avant, yo elem yo di mbal sécurité m'pat ka gérer deux cortèges en même temps parce que c'est pas moi qui gère cortège PM, c'est yo qui gère lui-même. Malgré ça, direction générale a non pour un véhicule on zoéken avec 6 policiers, non 4 policiers bim pour aller ba cop, il faut comprendre parce qu'on est les PM dans depuis ba la sortie une bonne fois sur le chef là. Donc ça veut dire faut me faire transition et puis dans transition on voit assassinat, président assassiné. Donc c'est ça que fait. Ou quand un moment, PM Claude Joseph a dit, ah, on va décider. PM Ariel lui-même, il va faire confiance parce que t'es un flottement. Moi-même, qui ça me fait, m'a géré juste ça. Assurez-moi que m'arrêter mon yo. Est-ce que pendant toute ma période, ça, nous n'avons pas de contact avec des puissances étrangères ou même comme chef sécurité numéro 1 et les. Je ne sais pas si ce sont les mauvaises langues ou pas, ils sont très proches des Américains. Okay. Non mais, puissance étrangère, écoute, il a assassiné le président, le directeur général de la police, ça fait tout de suite après. Ou FBI est entré, ok, Colombien, puisque il y a des gens qui ont gêné, ils voyaient chef des opérations de l'intelligence, de la direction d'intelligence colombienne, là, puisque il y a des gens impliqués, ils partagent l'information avec nous. Donc, des puissances étrangères contactées, premier ministre, parce que c'est premier ministre, c'est Claude Joseph, pas de compte, mais qui contacte avec Ariel. Mais moi-même, ça fait. Moi, j'étais tellement occupé, même téléphone, papa. Je me fais 3 jours, papa, le téléphone. Qui n'a pas gagné avec Claude Joseph et Martine Maurice? Claude Joseph, c'est mon ministre des Affaires étrangères, d'abord. Et puis, il vient premier ministre. Donc, il vient chef CSPN. Je travaille avec lui. Et première dame, je me rencontre de temps en temps. La première fois, je me rencontre première dame, de façon rapprochée, c'est le. Et on visite au sommet des Amériques qui t'a fait au Pérou. Il était là. Et puis, l'autre occasion, quand on a fait CIDH, rentrer dans l'époque Covid là. Mais écoutez, c'est une première dame, c'est un premier ministre avec tout le respect que je viens pour eux. Bon, pas une relation
personnel amical avec eux? Non. Donc c'était ancien directeur général police nationale Léon Charles qui démissionne. Semaine qui s'est passée là, dans tête OEA, était ambassadeur pays d'Haïti auprès de l'OEA et là non soutien dans ordonnance là comme yon moun qui était complice, qui tapito complice dans assassinat président Jovenel Moïse là, ben il dit que il bail démissionne pour le capable défendre tête li et ou capable suivre intégralité interview ça sous toutes les plateformes nous. Et on dit que gain réaction peut-être demain à venir avec réaction parce que gain moun qui senti que yo doit réagir par rapport à interview ça. Et puis l'autre point d'actualité à concernant le pays d'Haïti, gain étude université Michigan qui fait connaître que gain durée États-Unis à vendre Haïti ou bien qui sous marché haïtien et ben qui yo gain des produits qui néfastes pour la santé et au gain impact étude la gain impact sous produit à même sous la vente produit. Correspondant nous Massado Vilme parler avec plusieurs monde. Entendez dire il y a pas bon. Bah acheter. Camper dans Dieu. Non mais c'est à longtemps ça. Camper. Bah dans Dieu encore, camper. Après nouvelle qui fait qu'on est diri pays États-Unis exporté dans pays Haïti à gueule dans des gros métal qui capable causer consommateur ou fait maladie cancer avec l'autre maladie encore. Machin yo constaté, la vente d'iri étrangère a commencé à baisser sous marché. Je suis maté là, m'pa vendre un petit doum d'iri. Li pa vendre même que moun yo c'est d'iri a gagne pour manger. Si que yo la ba au maladie pas même gè pa gè l'hôpital, yo pas obligé pas manger. Gè là ça moun yo tande qui fait acheter d'iri hein. Mais qui j'en ça qu'on y avant. Ah, on peut faire si la vente parfois malgré moun yo pas gè problème, mais pas ça qui cause ça, mais gè là nouvelle yo tande yo pas acheter d'iri. Depuis avant et d'iri à la traîne. Pour quelques consommateurs, diri étranger c'est un aliment qui est plus facile pour moun mettre dans chaudière par rapport à produits locaux qui pas bon marché. Moi déjà mouri à ti moun moi même. Bagay chè nan pays, diri chè, may moun chè, viv chè, grain pois chè, ba ki ça pou faire. Elle est plus facile, elle est plus facile dans pays pour moun cuite li pou maman aller ka cuite. Pa gen rien comme aller ka cuite. Parce que manger chè, c'est elle dire ka ba ti moun yo. Celle dit, bon, tu me dis avant 40 dollars pour le boulot de maladie là-dedans. 40 dollars, tu me dis avant, oui. Je dis, je ne sais pas si c'est ça, je connais si tu es l'État. L'État a fait un bagage essayé, je ne sais pas. Tout le monde, c'est l'État qui a dit ça pour le boulot de maladie. Parce que je me dis, tout le monde va manger, je ne sais pas si tu manger moi-même. Parce que le peuple haïtien vit de dire. Et de dire haïtien vivre. Si pas que tout haïtien qui est malade, tout a mouru. Parce que de dire qu'il vit. Tout haïtien mange diri, bon ça va le manger. Yo que l'autre baï, so baï yo ba nou pou retourner. Nous les yeux nous fini. Qui ça va le manger? Bon c'est le plus facile dans pays là. Pas dans rien encore non. Et ça dit à plus facile. Ou quand ben sous dire, pas nous en pichane ba acheter. Mais ça nous va le manger. Nous les yeux nous. Pas manger dire ça nous va le manger. Ariel là pas régler, pas régler au pays là. Ça nous va le manger. Bon Dieu là pas quitter nous font pas. Professeur pas ca voyer venir ici là. Ça nous va le manger. Là pas manger dire ça va le manger là. Bon dis-nous quoi nous tout bas nous quoi nous là nous sommes pas là encore bon bah on capelle là encore dis-moi on capelle là encore bon dis-nous quoi on va qu'à fond pas grandir à bas vous pouvez faire ouais vas-y on mange vous pouvez faire honnête face à cette situation si là ancien sénateur Moïse Jean-Charles menacé pour porter plainte contre toute entreprise qui a importé du riz sur marché devant toute décision qui en dans l'ONU nous parle déposer plainte et je dis toute décision qui regarde les questions commerce. Tant qu'on gâte, nous pouvons porter plainte en pile devant on sait tribunal international. Nous pouvons porter plainte non seulement contre Reich Corporation, nous pouvons porter plainte contre Chaco, nous pouvons porter plainte contre Diriboul, nous pouvons porter plainte contre Renaud Bongou, Diribongou, Mega, tout ça, toute institution qui achète du aux États-Unis, qui est entrée en Haïti, nous avons déposé plainte contre eux. Et. Au niveau international, tout, on a déposé plainte. Parce que c'est un crime contre l'humanité. Les États-Unis font nous là avec les Haïtiens, soit des Haïtiens qui prennent plaisir à ramasser saloperie du riz qui est dans les États-Unis, ils viennent nous en Haïti. Cependant, le gouvernement haïtien n'a pas fait aucune déclaration sous nouvelle SILA qui mettait gros qu'est cassé la caille marchande à consommateur du riz. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Massiado Vilme pour VOA Créole.
Et puis, quand nous prenons dans le canal à cause du travail de construction, canal qui presque fini, quantité de travail a diminué pendant que le travail installation pour Vanio et ben l'a continué. Jodé Junior Saint-Ville parle avec nous depuis Ouanamet. Quantité boss cap collaboré dans construction canal irrigation rivière massacre a diminué à cause travail presque arrivé dans boutio. Pour qu'on y a là, boss yo, femme tankou garçon, concentré yo dans tête canal là, côté Vanio pour l'installer. VOA Creole te parlé avec ingénieur Lesnel Marcellus, jeudi 28 février 2024 là. Li te dit dans qui phase travail installation Vanio yé. Mon travail qui a fait dans ces placements Vanio parce que qu'on y a qui t'a fin placé, nous t'obligé consolider yo pour nous capable faire finition yo, après ça n'a bien pour nous capable placer tol lantige filté et puis volant pour nous capable finir avec Vanio. Ingénieur Marcellus fait connait pelle excavatrice là qui fin réparer permet yo recommencer avec travail gabionnage là. Quantité mètre linéaire qui rete yo en pile. Là au fini sans printemps, yo pral travail dans rivière trop plein côté de l'eau cap sorti dans canal là pral couler. Bon, licence rangée n'a pas avancé. Je vais regarder là c'est gabionnage en aval là qui a continué dans rive gauche là, nous pral faire 20 mètres linéaires pour nous ajouter sur 30 mètres là, faire 50 mètres linéaires et puis dans rive gauche là, dans rive droite on a mis 10 mètres linéaires, faire 30 mètres linéaires. Il y a un enrochement pour nous capable faire en amont et puis consolidation pour nous faire déviation, automatiquement nous finir avec travail ça. Mais automatiquement nous finir gabion n'a pas avancé avec trop. D'après information qu'a circulé depuis quelques jours dans la presse, gagne un pelle excavatrice haïtien qui dans diaspora et spécialement pasteur Grégory Toussaint voyé pour canal là qui dans douane cap haïtien qui poko capable dédouaner. Poser la question sur dossier ça, ingénieur Marcellus te répond comme ça. Bon, m'a trop gagne information de canal qui niveau ça et m'a vraiment. Jodelet Junior Saint-Ville depuis Ouanamet pour VOA Créole. Ou sou VOA Creole, ap suivi un programme nan langue créole haïtien, actualité internationale la nan yon ti moment. État-nation, président Joe Biden pral présenté bilan politique li by nation nan yon discours devant deux chambres congrès réunies et devant nation américaine. Jou kap jeudi 7 mars 2024 sa. VOA Creole ap sou place nan Washington DC pou pote ba ou live en direct. Discours président américain en créole. Journaliste VOA Creole ensemble avec des invités, analystes politiques pral permet ou vivre événement politique sa. State of the Union. État-nation, branché sous VOA Creole à partir de 8h30 na sou toute plateforme VOA Creole. Branché VOA Creole. Yon rendez-vous qu'on pas doit rater son tradition même dans VOA Creole pour nous gagner un programme spécial à chaque fois que gagne discours président sous état nation. Actualité internationale ici aux États-Unis, rencontre hier mardi entre président Joe Biden et leader dans Congrès. D'un moment assistance étrangère 95 milliards de dollars que le Sénat a approuvé bloqué dans la chambre des députés et à possibilité tout pour gouvernement fermé pour moi et Massa. Jean-Thierry Augustin Junior. Leader Congrès yo te rencontré ak président américain Joe Biden ayer mardi pour discuter sou quelques problèmes parmi yo programme aide étranger 95 milliards dollars Sénat américain te approuvé nan commencement mois ça mais ki rete bloqué nan chambre représentant républicain ça ki mette en retard livraison 60 milliards dollars aide pour aider Ukraine défaite la Russie pendant Ukrainien a enterré mort et puis commémorer deuxième anniversaire invasion russe là. Conséquence inaction chaque jour dans Ukraine yo terrible. Président Chamnan Mike Johnson te dit que li pa tab délivrer programme aide étrangère 95 milliards dollars qui gen la dan tout 14 milliards dollars aide pour Israël à 4.8 milliards dollars pour partenaire Indo-Pacifique yo. Tankou Taiwan pour contrecarrer agression chinoise jusqu'à ce que situation en États-Unis frontière Mexique là en sécurité. First priority of the country. Première priorité nation wan c'est frontière nou an ak sécurité li mwen kwè président ka pran pouvoir exécutif la kounya pou changer ça yon accord tous les deux parties yo pou fè changement nan loi immigration américain en échange aide pour Ukraine pat abouti après plusieurs mois négociation à cause objection républicain yo leader majorité sénat Chuck Schumer te di li directement mandé Johnson pou le considérer rôle li nan l'histoire
Si ou pas fait ça qui doit, quel que soit politique immédiat, ou pral regrette ça. Mais, en pile républicain dans le Congrès, a gen doute que yon nouveau One Aid États-Unis pour Ukraine pral gen yon impact. Réalité nous doit faire face là, c'est que président Rusla Vladimir Poutine pas pral perdi la guerre ça. Démocrate yo gen option pour yo servir ak yon l'autre procédé pour contourner républicain yo. Là yo pote directement projet loi aide étranger ya pour yon vote dans chambre là. Député démocrate Jamie Raskin dit VOA nan yon Zoom vidéo procédé yon gen si pa pour réussir. Pétition de charge là ta gen signati majorité membre Congrès ya ki dit retirer projet loi ça dans comité ya, mettez le sous table là et puis on fait un vote en haut ak en bas. Législateur yo retourné dans session jeudi mercredi ya, mais yo pral immédiatement besoin travail sous financement gouvernement américain après date limite 1er ak 8 mars. Pendant ce temps, secrétaire d'État américain Anthony Blinken te recevoir tokay mexicain Lio, Alicia Barcena ak Guatemala Carlos Martinez dans département d'État dans cadre réunion pour examiner façon pour combattre immigration illégale et puis adresser cause Lio. Yon sujet dominant dans campagne présidentielle américain. Reportage Catherine Gibson, VOA News, adaptation créole Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Oui, question immigration pour la santé campagne électorale là ici aux États-Unis et d'ailleurs gain deux leaders en parlant de président démocrate Joe Biden avec ancien président républicain Donald Trump, ils tous les deux à visiter demain et frontière que États-Unis partagée avec Mexique. En parlant de immigration toujours, autorité dans ville New York a fermé un magasin meuble à cause propriétaire converti espace là illégalement pour y loger plus passer 40 immigrants et il était chargé $300 chaque pour capable habiter dans espace là. Valérie Saint-Louis depuis New York. Officiel ville New York yo te fermé un magasin qui vend meubles dans quartier Queens yo qui te converti illégalement en un espace côté que plus passé 40 immigrants c'est là que yo t'a vivre dormi levé. Département building ville là te bay l'ordre pour Sars Wholesale Furniture qui dans Queens fermé à cause mauvais conditions ak risque danger pour di feu selon ça que porte-parole département building là David Magyoti te dit hier mardi. Agence building département te bay propriété magasin fourniture deux tickets pour violation à cause travail illégal sans permis et puis pour façon yo occupé building deux étages là que yo utilisé pour raison différent contrairement à ça que yo t'ai déclaré que yo t'a fait dans building là dans dossier archive ville là. Porte-parole département building là dit que inspecteur ville yo t'ai joint que espace commercial business là qui dans premier étage building là t'ai converti en chambre caille côté que moun a dormi avec 14 cabanes à étage et 13 cabanes bien rangées sous tous deux étages yo qui capable accommoder à peu près 41 moun. Yo te joine tout que yo te fait travail plomberie tuyauterie dans building là qui te fait sans permis et puis sous sol là ça relé communément basement là pas gain aucune porte de sortie en cas de danger et puis pas gain aucune ventilation au soit lumière naturelle. Magistrat ville New York là Eric Adams t'est intervenu sur dossier ça et il dit que officiel yo a continué mener enquête. Service pompier ville là t'est dit que yo t'al nan adresse business là hier lundi après que yo t'ai recevoir yon plainte peut-être que t'ai gagné une quantité bicyclette que voisin yo t'ai ouais qui était dans la cour des building là, ça qui t'a un danger pour sécurité et puis pour diffé. Magistrat ville là Eric Adams s'est continué parler sous cas ça pour le dire. When you have situations like what we are facing here, l'organ situation tant que ça que n'a fait face avec l'IA qui en rapport à crise immigrant, il y a quelques monde qui pourrait essayer exploiter. Il y a quelques monde qui pourrait essayer faire logement illégal. Qui donc nous gagne une obligation ensemble avec département building là, avec service pompier yo, avec tout service nous yo pour nous répondre et puis prendre action qui nécessaire par rapport à ça qui t'est fait hier soir. Et nous toujours regarder exactement ça qui t'est passé. Officiel Villio t'est arrivé joindre que monsieur Eboussa qui s'est propriétaire magasin meuble t'es avoué que le tap chargé chaque immigrant $300 par mois pour yon côté pour yon dormi et puis il te baye manger matin, manger à midi et puis souper. Il te dit tout que c'est en total 70 moun qui te rete là parce que yon pas de gen moyen pour yon vivre après que yon te fin sorti dans le programme abri en Ijansville là te baye pour immigrant. Et il te dit tout que plus fort immigrant qui te rete dans business lien, c'est moun qui te fait crive dans ville New York là, sorti dans pays Sénégal avec l'autre pays dans Afrique de l'Ouest. They don't want to go. They don't want to go through that. Yo pa vle aller. Yo pa vle passer même misère ça encore. Matin pi fona yo te rele. Yo te dit ça yo te passé hier soir, yo pa jamais te dans situation ça. Yo te passé un trail, c'était un enfer hier soir. Yo t'a
essayé de jouer du côté où on est, côté priorité. Et puis, il était en forme, là. Nous étions en forme, nous étions juste où on est. T'as fait ça, nous devons faire. Magistrat Eric Adams t'a dit pendant la conférence de presse que le débat est sous casa. Nous devons bâtir plus. Nous avons un problème inventaire logement dans la ville là. Et puis, les gens ne doivent pas vivre dans un environnement qui n'est pas en sécurité. Nous devons faire travail pour mener enquête sur eux. Et puis, il y a un système abri qui est approprié. Mais la réalité, c'est qu'avec 180 000 personnes qui ont entré dans la ville là et qui ont cherché logement, côté que plus passé 65 000 dans yo qu'on y a dans le système logement noir, si nous pas bâti plus, nous pourrons bâti plus de problèmes. Biwo qui a opéré le système abri urgence ville là pour immigrants, te dit que dans le moment, il a aidé immigrants qui t'a logé dans le business unit immeuble, joignent du côté priorité. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Et puis, on a prêté toujours dans l'actualité ici aux États-Unis et nous pourrons parler élection. ...2024, année électorale ici aux États-Unis, il y a plusieurs Américains d'origine haïtienne qui ont participé dans l'élection Sayo à plusieurs niveaux. Et je déoncerai te parler avec Yon Ladero, qui est pasteur Joseph Teluska. C'est le finissement journée, mardi 27. Il y a un petit problème technique qui empêchait que... Boukaraton, candidat, est exposé. Il y a un problème avec... Ok, voilà. Allez, avec pasteur Joe Teluska, nous demandons qui est un député dans le Congrès américain. Responsabilité et rôle en congressman, en congresswoman. Et premier devoir, nous, c'est pour nous faire loi fédérale. Des lois qui pour diriger le pays. Hein, soit faire taxes, you know, toutes sortes de lois qui pour diriger le pays, c'est responsabilité congrès qui pour faire loi ça. Okay? C'est immigration, quand il s'agit d'investissement, commerce, banque, you know, pour régulation, pour diriger le pays. Bon, nous constatons qu'on est candidat républicain. Depuis 1997, nous sommes républicains. L'ordre des valeurs en tant qu'haïtien, en tant qu'on pasteur, tout, valeurs très conservateurs. Et sous famille, j'aime la famille, j'aime défini mariage, so, et business, tout. Nous, en pile haïtien, en communauté haïtienne, nous croyons pour small business. Et en tant qu'on républicain, valeurs nous vraiment conservateurs, nous croyons en famille, nous croyons pour nos travail dur, nous pas croyons pour nous abattre, nous, c'est nous qui pouvons nous manger, mettre non queen nous so toute valeur moi me grandir avec valeur conservateur ça sur ce bail qui normal pour que moi allier et you know valeur moi avec parti politique moi. Bon, je constate qu'il y a des haïtiens qui déplacent venir supporter où et est-ce que dans le district ça numéro 23 est-ce qu'un pile haïtien est-ce qu'on idée de combien haïtiens qui enregistrent pour voter capable de supporter où un bon point haïtien dans 23e district hein. Et m'ta dit un bon 10% et voteurs vote électorat là et c'est haïtien. Maintenant, en matière de problèmes qui gagnent dans le district, et qui problème qu'on identifie dans le district, et qui yon nan problème qu'on identifie pour haïtiens, surtout dans le district. Tout la vie, en chef, ça affecte la communauté noire. So, lè mou venant au congrès, m'bral travaille avec membres congrès pour nous passer des lois, pour nous descendre intérêt, pour nous faire façon, pour nous prendre des mesures, pour manger, pour prix manger descendre, de quoi pour peuple à Kagon souffre. N'a fait connaître que candidat républicain Joe Teluska a trois candidats en face li pour élection primaire qui a déroulé dans le mois d'août 2024. Si il est arrivé passer étape ça, l'a bien en face li un candidat démocrate en novembre 2024 là qui actuellement en fonction. Non pas c'est Jude Ronsre pour VOA Creole dans ville Boca Raton état Floride. Merci Jude et actualité à menenou nan et dans pays la France, et côté que gagne des doctorats que vous faites pour étudiants qui eux même gagne difficulté pour capable eux même et joindre côté pour dormir et c'est ça qui fait que vous construit pour capable eux même joindre côté pour dormir. Et puis l'autre point dans actualité ici et aux États-Unis que gagne un leader minorité républicain dans grand corps là dans Sénat en parlant de sénateur Mitch McConnell, et ben il dit jeudi mercredi que il paraît pour le démissionner comme à la tête parti dans Sénat américain.
démission ça a pral créer yon vide nan hiérarchie républicain après que le fin passé 17 ans nan pas ça, ça qui représentait plus temps passé leader aucun autre parti dans toute histoire et grand corps les États-Unis. Monsieur McConnell dit sous podium nan ak yon voix chargée ak émotion, moi saute gain 82 ans semaine ça. Finissement contribution moi pi pré passé samedi tavlé moi pas gagné encore la jeunesse que m'ta doué gagner pour m'capable faire face avec l'autre responsabilité que m'ta doué gagner dans Sénat. Donc c'est une grosse nouvelle parce que c'est un grand nom dans la politique américaine en parlant de républicain, sénateur républicain Mitch McConnell. Donc on a gagné pour nous et plus sous ça encore parce que c'est un gros nom qui fait actualité et qui marque tout politique américaine. Nous pratiquement arrivés dans fin programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour te servir. On a dit que demain, on est capable de gagner l'autre réaction parce que gagner monde qui sollicitait réaction sur interview que M. Léon Charles Banois, notamment, gagner M. avocat Laguel Civil, qui lui-même voulait réagir par rapport à déclaration que M. Léon Charles fait hier dans l'interview. Merci pour attention, nous. Merci pour fidélité, nous. Gros merci à M. Abela, Jean-Marc Hervé Abela, nouvelle addition dans l'équipe là, Jean-Thi Augustin Junior, sans oublier M. Fred Kaimit. Moi, c'est Jacques Lambélizer, nous connaît. Et gagné Jean-Aubert Philippe, qui en vacances nous dit prend plaisir et puis retourne bien frais pour venir battre bête là encore. Moi, c'est Jacques Lambélizer. Bonsoir.